Vers 7h30, des élèves du lycée bloquent l'entrée avec des poubelles et une chaîne. Malgré une première intervention des forces de police, le blocus continue. En cause, le peu de mesures sanitaires dans leur lycée. Aujourd'hui, on bloque pour que le lycée nous entende, pour que la ville nous entende, pour savoir qu'on est mal protégé au lycée. Vous voyez comment c'est rempli là? Dites-vous, c'est pareil au CELS. Mais la mobilisation ne met pas tout le monde d'accord. Mais parce que nous, on veut aller en cours, en fait. Mais de toute manière, ça sert à rien de faire ça, parce qu'on est les uns sur les autres, parce que là, c'est pire. La tension monte entre lycéens. Selon les forces de l'ordre, du gaz lacrymogène a été employé pour disperser une dizaine de jeunes. Ils avaient tenté de s'en prendre violemment à un autre élève. La pression redescend. La direction tente d'entamer le dialogue. Moi, je veux bien vous rencontrer. Je vous entends. On va là-haut, je vous entends. Vous me dites ce qu'il en est. Et je vais vous dire, moi, ce que nous avons l'intention de faire. Dès lundi, des discussions auront lieu pour déterminer le nouveau protocole sanitaire. Vers 10h, les jeunes en colère ont pris la route du lycée Limousin.